Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Game Old School. Hein. Mais écoutez, ça faisait assez longtemps déjà, donc là on revient avec un jeu auquel on a beaucoup joué car je suis en compagnie de Kozak qui est encore venu avec des substances pas très honnêtes et loyales et qui m'a encore mis dans un état pas possible. Je te remercie Mathis. Bonsoir. Bonsoir Mathis. Alors attends. Alors on va faire... On est sur FIFA 2003 bien sûr, hein, vous l'aurez compris. FIFA 2003, le tout premier FIFA est sorti sur PlayStation 2. Vas-y, choisis. Et là on va se faire un petit match. Donc c'est parti, hein, on fait quoi? Alors c'est moi là, c'est moi le joueur 1. C'est moi le joueur 1, on a mis deux joueurs, c'est bon. Ouais. T'es sûr, hein? Ouais, attends, je vérifie. Non, non mais vois. Après à mon avis ça se règle après. Ah ouais je pense. Alors voilà, en FIFA 2003, un jeu sorti en 2003. Enfin fin 2002 du coup, vu qu'à chaque fois il sort pour les saisons d'après. Et pour nous, c'est un des meilleurs FIFA parce que voilà, on vous avait déjà fait un jeu de foot, c'était PES6. D'ailleurs, désolé, on avait fait un match avec deux équipes très pâles. Moi, je vais prendre Manchester United à l'époque, ils étaient ouf dans le jeu, ils étaient vraiment forts. Et moi, j'avais pris une équipe de maillot de couleur blanc et lui de couleur vert fluo. Donc, du coup, avec un terrain très pâle, on voyait pas trop bien le match. Désolé. Et là, on va vous faire un match sur FIFA du coup. Un excellent jeu de foot, hein, donc pas grand chose à dire, hein, à part que voilà, c'est développé par EA Sports. Hein. Tu prends la Juve, je prends pas le Milan, ils étaient ouf à l'époque. Ah ouais, pas mal, vas-y, fais gaffe. Prends le Milan. Ouais. Ah, tu vas avoir une vraie équipe, enfoiré. Maldini, Nesta. Moi je joue en rouge et toi tu vas jouer en blanc. Tu veux pas jouer en bleu plutôt? En bleu? Ouais. Mais non, c'est bon si tu joues comme ça. Hein. Vas-y, c'est bon? Ouais. Ah, je te rappelle de ce son là. Alors ouais, il y avait énormément de bons sons dans ce jeu-là. Il y en a un qu'on a même encore dans notre playlist MP3, c'est celle de Avril Lavigne, le remix d'Avril Lavigne, la musique Complicated, en mode remix, qui était vraiment excellente. Mais attends, on peut pas faire la formation. Non, on peut pas la faire apparemment, on se démerde. C'est le jeu qui décide. Et donc, ouais, Avril Lavigne remix que je mets souvent sur l'Instagram, car oui, maintenant j'en profite pour vous en parler. Maintenant, Game Old School, j'appuie juste sur Start, le match va commencer, vous inquiétez pas. Donc moi je suis Manchester United, donc les rouges, et mon frère est le Milan, les blancs. Juste avant de commencer le match, que vous soyez bien attentifs, voilà, je vous présente l'Instagram de Game Old School, car maintenant oui on est sur Instagram, c'est un petit Instagram pour l'instant qui débute, on est 142 abonnés. Voilà, je vous fais voir. Mathis, on voit la caméra là? Ouais, parfait. Voilà, c'est Game Old School. Hein. Ça s'écrit Game, tiré du bas, Old, tiré du bas, School. Voilà, et l'émoticône, c'est un petit Pac-Man sur fond noir. Et voilà, vous avez un peu de tout. Hein. Voilà, des costumes, ah merde, comment on dit, des consoles à l'ancienne customisées. Plein de petites vidéos d'anciens jeux, des bandes son, voilà, vous allez adorer. Allez voir, franchement, les gens aiment beaucoup et ils démarrent très bien, ils marchent plutôt bien. Donc voilà, on revient tout de suite à ce qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire le match. Tu veux faire ta formation? Non, c'est bon, tranquille. Ça, n'empêche, c'est deux équipes qui étaient légendaires et qui sont maintenant plus très bons. Oh là 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 là. Et on court. On court avec un. Ouais, je crois. Ouais, c'est un. Oh là 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 là. Et tu veux pas qu'on change la caméra? Bah, c'est toujours été cette caméra dans FIFA hein, 2003. C'est pour parler du ballon, peut-être une occasion. Ok. Oh là là, Beckham, comment? Allez, centre Beckham. Oula. Alors, ce jeu-là, on l'adorait pourquoi? Et parce qu'on pouvait tirer du milieu de terrain. Voilà. On pouvait tirer du mieux de terrain et marquer. C'était fou. On pouvait mettre des frappes vraiment de malade dans le jeu. Et les coups francs, eh ben, franchement, limite, hein, sans vouloir abuser, bah, c'est possible de tous les mettre. De tous les mettre jusqu'à n'importe quelle distance. Il suffit que vous mettez le petit émoticône en bas à droite et que vous visez sur le. Visez le bon cadre vert et hop, ça rentre automatiquement. Hein, c'est vrai. Ouais. C'était bon ça. Voilà, aujourd'hui on a pu racheter quelques jeux en même temps que celui-là. On a racheté la momie qui fera l'objet d'un test, un jeu auquel on a beaucoup joué étant jeune. Et un célèbre jeu de combat qui s'appelait. Putain, comment c'est quoi déjà? Soul Blade.
Donc voilà, ça sera les deux prochains tests, je pense, et on s'amusera bien sur ces jeux-là. Donc là, il faut savoir que le FIFA 2003, on le redécouvre exactement en même temps que vous. En vraiment en même temps que vous, parce que on vient de le racheter là et on vient à peine de le mettre dans la console. Donc, voilà. Ça fait bizarre quand même, ça fait bizarre. Ça fait très dur de s'y remettre, surtout quand on s'habitue au nouveau FIFA. Ah bah Ferdinand, il avait les pompes blanches, c'était un des seuls dans le jeu. Toi normalement t'as Rivaldo. Ah, et là ils ont tous les pompes noires. Tu regardes le nouveau FIFA, ils ont des pompes de toutes les couleurs maintenant. Et même pas de radar. Si, je pouvais le mettre, mais je l'ai enlevé des. Ah, les passes en profondeur, c'était pas ça. Attends, je vais tenter. Je tente, parce que maintenant, dans ce jeu-là, tout est possible. Je pense que même si vous faites une touche, vous pouvez marquer déjà. Ah ouais. Ah, il y avait Laurent Blanc, mais c'est vrai, Manchester United. Ton gardien, il a un casque. C'est Abiati. Je me rappelle pas qu'Abiati avait joué avec un casque. Alors Beckham, c'était vraiment un titan dans le jeu. Il était au sommet de sa forme, il fait des... Oh là là! Et ben voilà, je suis honoré, j'ai mis le premier but depuis notre achat de jeu. Et je viens de voir que mon gardien n'avait pas un casque, mais une touffe de cheveux et une barbe bizarre. Alors ouais, comme j'ai dit, Beckham dans le jeu, c'est un centre, un coup franc. Coup franc en but et centre, il semble tellement bien et tellement précis que but aussi. Alors j'aimais beaucoup aussi les ballons, qui étaient des originales. C'est toi qui as fait un changement? Ouais. Ah putain, il n'y avait pas de sortie ni de faute, putain. Qu'est-ce que je disais juste avant? Je sais même plus. Merde. Oui, les ballons, c'est les officiels. T'avais même celui-là de la Coupe du Monde 2002, qui était un de mes ballons préférés. Il était vraiment beau. D'ailleurs, on l'avait étant petit, t'en rappelles? Ouais. Même quand il était dépioté, il restait encore bon. On pouvait bien, on faisait des vraies frappes avec, hein. C'était les ballons à l'ancienne. Et puis les chants de supporters, j'ai trouvé même un peu mieux. Quoique avant il y avait des ultras de partout et qu'aujourd'hui il n'y en a plus partout parce qu'ils ont tout éradiqué dans toute l'Europe pratiquement. Donc les stades ressemblent plus à des salles de théâtre en plein air, comme le Parc des Princes à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de stades en Angleterre. C'est vrai que sans ultras, forcément moins d'ambiance dans les stades et c'est un peu dommage. Bon voilà, je me suis un peu éparpillé, hein, c'est mon côté passionné de foot qui m'a fait part. Oh là là, Maldini! Bah oui, Maldini qui me rattrape, c'est normal, meilleur défenseur de tous les temps, je pense. Shevchenko, l'Ukrainien qui avait une bonne frappe de balle. Oh, mais j'ai Barthez dans les buts! Je crois que c'est un des meilleurs gardiens du jeu, Barthez. Et Mathis qui vient de nous mettre sa première frappe. Ah, la deuxième aussi sûrement. Oh, et il m'en faut plus. Hein. T'as Barthez dans les buts. Je crois qu'il faut pas avoir peur de doser. Oh là là, là 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 là. Ouais, faut doser. Ouais. Il faut se réhabituer avant, hein, même avec Daniel Moreira qui joue à Lens, tu foutais des buts de titan. Paul Scholes de la tête, hein, c'était rare, mais dans le jeu tout est possible. J'aime bien les tests de foot, ils sont détentes parce qu'on n'a pas forcément d'expliquer 10 000 trucs sur le jeu. Oh là là, le con! Et du coup, c'est posé et puis on peut parler avec vous, les internautes comme nous, entre nous. Voilà, on passe tous un bon moment. Oh là 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 là, Elveg! Et Giggs! Remets-la, Giggsy! Giggsy tout! Oh! La grand gardien! Oh, Beckham, ça va vite là! Oh. Il faut pas me bourrer, effectivement. Oh là, je me suis complètement bourré. Le Beckham, vu qu'il sent... Ah, c'est bon, parce qu'il sent bien, mais c'est bizarre, ça allait vachement vite. Ah, peut-être parce que j'ai mis en mode international. Tout à l'heure, je suis parti dans les réglages et j'ai mis mode... Oula. J'ai mis mode international. Et je pense que c'est pour ça, en fait, c'est très dur de viser. J'aurais dû mettre en mode facile, le truc, il va tout lentement, je m'en rappelle. On peut pas régler le niveau, là, pendant le match. Je crois pas. C'est dommage parce que ouais, en amateur, le truc il va tout doucement, vous avez le temps de viser pendant une heure. Allez là, faut qu'il y ait un peu plus de buts là pour notre second premier match là et même pour les internautes. La dernière fois sur PES, malgré qu'on voyait pas trop ce qui se passait, on avait quand même fait 2-1 avec un but de ta part à la dernière seconde.
En tout cas, toi, c'est vrai que t'as une défense avec le Milan, une des meilleures défenses de tous les temps. Maldini, Nesta, t'as Vestam aussi, je sais pas s'il y a Vestam à cette époque. Putain, je sais plus. J'ai... Moi, je propose qu'avant la fin du match, il y en a un, il fasse esprit de faire à l'autre un coup franc. Pour voir si on a rêvé toutes ces années ou si c'est bien vrai. Mais bon, j'ai le témoignage de plein de potes qui ont joué aussi et on est tous d'accord. Bien joué. Il y a même des gens qui ne connaissaient pas FIFA, ils disaient ouais, il paraît qu'il y a un FIFA, tu vises, tu mets le truc en bas et ça rentre automatiquement. Ouais. Sinon toi, comment tu vas Massis depuis le temps là? Tu dis rien aux internautes là? Bah, pas grand chose. Et pourtant on a fait des tests... Je me concentre là, plus. On a fait les bons tests ensemble, le monde ne suffit pas sur 64 et tout. Oh, il fallait que Beckham marque pour qu'on voie à quel point il est bien fait. Il était bien fait. C'était le Beckham de Manchester. On a fait Le Monde ne suffit pas, qui est un de mes jeux préférés. Un des jeux qui a le plus bercé notre enfance. J'ai eu peur. J'adorais cette époque. Même en termes de foot normal, j'adorais les saisons 2002-2003. C'était vraiment énorme. Avec Marseille et les maillots Khalifa Airways, pareil avec les maillots Thompson. Milan Opel, Manchester Vodafone. Et je me rappelle de... Oh là, la Vérone avait une grosse frappe. Je me rappelle de Cristiano Ronaldo dans le jeu, il jouait au Sporting et il avait vraiment des stats de merde. J'ai jamais essayé de jouer avec, je testerai sûrement, mais. Messi était pas né encore, je crois qu'il était même pas majeur. Oh là là, Barthez il est titanesque dans les buts, mon ami. Tu vois, c'est chiant, je pense qu'on aurait dû mettre en facile, ça aurait été un peu plus marrant, je pense. Là, le jeu est très fermé en international. Et voilà, mais je propose après qu'on vous fasse un match qui ne sera pas considéré comme un test ou une revue, mais juste un match pour le fun. Je peux bien vous poster ça après tout, hein. Je ne vous pose pas de vidéos fun comme des défis et tout. Je pense qu'avec Mathis, avant qu'il parte, on fera des petits défis sur le monde ne suffit pas avec des modes multijoueurs, les captures du drapeau et tout. Ça peut être sympa. Je vais vous faire des vidéos, je les mettrai dans une playlist qui s'appellera divertissement, on va dire. Et ça sera que des vidéos pour le fun, sans explication, sans rien, juste on fait un match où on bat un boss célèbre d'un jeu. Voilà, plein de trucs comme ça. On se fait des combats l'un contre l'autre sur Tekken. On peut faire plein de trucs. Bah, pour notre deuxième match, du coup, je pense qu'on. Je propose qu'on fasse un international, qu'est-ce qu'on pense. Ça peut être sympa, je sais pas qui je vais prendre. Mais... J'hésite à prendre la République tchèque avec Nedved et Colère devant, qui faisait 2m8 là. C'était pas un joueur de foot, c'était un titan. Milan, voilà. Bien joué, Fabien. Ah, invincibilité préservée, Fabien Marcouz. Voilà les internautes, c'était FIFA 2003. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça nous a plu de retrouver ce jeu, qui est vraiment super. Voilà. Bien kiffé. Bien kiffé, hein. Franchement, voilà. On peut remercier Mathis qui est avec nous, car c'est lui qui nous a fait le don de ces merveilleux jeux. Donc voilà, il y a du lourd hein, qui arrive. Hein. Vous inquiétez pas, il y a du très très lourd du coup qui arrive en vidéo. Hein. Si vous êtes abonné sur le Facebook ou l'Instagram, vous voyez un peu tout ce que j'ai en ce moment à tester. Et voilà, on est bien là, on revient en force. C'est du lourd et voilà. Et une prochaine vidéo du coup d'un match comme ça pour le fun. On va vous laisser. Hein, et puis on vous dit à très bientôt. Hein, et la prochaine vidéo arrive très vite. Voilà, je sais pas ce que ça sera, soit la momie, soit Soul Blade, une vidéo fun sur mon ne suffit pas un défi. Voilà, allez, salut à tous et à bientôt. Mathis, merci d'avoir été là. Voilà. Il s'en bat les couilles. Il fume, il boit, il s'en bat les couilles. Bon allez, ciao tout le monde, ouais, non amateur.